progressivement, on a appris le métier de mineur et puis on s'est habitué. Parce qu'on s'habitue au danger des mines et puis on y va, je ne veux pas dire la fleur au fusil, mais presque. On ne vivait pas toujours avec la peur non plus. Hein. Ben, c'est pas vivable, hein. Aussi bien rentrant chez soi que n'importe où. Hein. C'est habitué au danger, puis c'est tout. Il y a peut-être des fois qu'on le pressentait, mais sans plus. Oh, le danger, ça, vous savez, automatiquement, on a vite toujours à l'esprit ce danger. Toujours cette crainte. Il m'est arrivé une fois de penser, mon mari n'étant pas rentré à l'heure, que automatiquement, on pensait toujours le pire. On pensait toujours le pire. Il n'aimait pas. Il n'aimait pas en parler. Parce que lui savait ce que c'était le danger. Peut-être qu'il ne voulait pas nous le communiquer pour peut-être pas nous laisser dans la crainte ou dans l'anxiété. Mais lui le savait. Je m'étais pas rendu compte que c'était si dur que ça. C'est un vrai métier de bagnard qu'ils ont. On essayait toujours de se protéger en cas de coup dur, mais on ne pouvait pas toujours prévoir. Oui. Hein. Bien qu'on faisait attention aussi à sa peau. Hein. C'était notre peau qui était en jeu pendant 8 heures. Hein. Alors, on essayait de ne pas se blesser ou bien n'importe quoi, mais voilà. Ça arrivait tout de même, hein, même en faisant attention. J'ai commencé à la mine, j'avais à peine 15 ans. Il y a eu un accident aussi chez nous. Il y a eu une taille qui s'est effondrée et il y a eu 8 tués, quoi. Et j'étais galibot seulement. J'étais pris une fois dans un éboulement, comment dirais-je, un fameux foudroyage. Et j'ai vu la mort devant mes yeux. Moi, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale. J'ai eu les épaules et j'ai à peu près tout, quoi. À peu près de la tête aux pieds, quoi. Nous disent tout dire, un bon mineur, il doit voir son sang tous les jours. C'est comme une tuile qui est au-dessus de votre tête, un jour ou l'autre elle risque de tomber. Là, le fait que c'est un métier dangereux, on était, disons, un peu averti qu'un jour, malheureusement, les choses pouvaient être très pénibles. Les enfants, les mères de ceux qui sont morts.
Il n'y a pas que ces 42-là, il y a tous ceux qui sont partis aussi avant, ceux qui sont morts aussi par accident au fond de la mine. Même tous ceux qui sont partis, qui ont fait la silicose, qui s'en vont, quoi, chaque jour, il y en a qui s'en vont. Ils s'en vont dans la simplicité, on n'en parle pas. Mine, c'est terminé. Si, par exemple, le jour que j'ai descendu au fond, on m'aurait dit, dans 40 ans, il ne va plus avoir de mine, j'aurais cru que les houillères allaient disparaître un jour. J'étais une tour imprenable, les houillères, j'étais une forteresse du tonnerre. Il faut faire quelque chose pour que jamais on oublie l'importance qu'a eu le travail des mineurs pour la région, puis peut-être même pour la France. C'est très important, très important. Il faut jamais oublier. Nous-mêmes, mes enfants et moi-même, parlons aux petits que nous avons, petits-enfants, de leurs papis, des autres mineurs, de la dureté, du travail, tout ça, on les a mis au courant. Non, il ne faut jamais oublier.